Eh bien coucou la famille, bienvenue sur la chaîne les amis. Aujourd'hui je te fais découvrir le nouveau look du Piranha avec une carrosserie de Power Wagon donc, que j'ai récupéré. Et là c'est du recyclage. Voilà, donc c'était sur le VS4TN, puis le Ecto, puis voilà, tu m'as compris. Donc la carrosserie, on a un petit peu ouvert ici pour faire rentrer carrément la carrosserie dans le châssis, frérot. Le petit élastique winch de chez 3D Drap. Voilà, donc comme je te disais, on peut modifier la longueur, hein, tout simplement en coupant. Tu dévisses ici, tu coupes à la distance qui te convient le mieux. Et voilà le rendu. Voilà, je trouve qu'il est vraiment badass comme ça. Bon, il est un petit peu haut, mais franchement, je suis vraiment content. C'est à cause des pneus. Voilà, en 125 mm. J'ai voulu laisser apparaître carrément tout châssis en carbone à l'arrière parce que je le trouve magnifique, hein. Renfort carbone, les suspensions arrière DriveTech version drop, c'est quelque chose maintenant. Donc il sera encore un peu plus cloué au sol. Et ouais, c'est vraiment pas mal. La carrosserie elle rentre comme ceci. Et finger in the nose. Voilà pour la petite modification du Piranha. Rien de sorcier, un petit peu de modification de carrosserie, un petit accessoire et c'était fini. Maintenant, on va passer à la roll cage du Axial Bronco 610-3 sur la Jeep. Et tu vas voir que le rendu, il est vraiment, vraiment fantastique, frérot. Aïe, 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 il est magnifique. Franchement, la roll cage du Axial Bronco, elle est plug and play, frérot. Le seul petit inconvénient, c'est que tu n'auras pas les vis qui sont livrées avec le package de la roll cage. Donc là, on a un bon look fastback. C'est ce qu'il lui fallait. Et franchement, le rendu, il est magnifique, frérot. Regarde-moi ça. Avec les feux Angel Eyes, c'est plug and play. Hein. Il te faudra faire un petit trou ici, un petit trou là-bas. Et tu raccourcis un petit peu ta roll cage parce qu'elle va ressortir. Mais autrement, ça se fait en 10 minutes. On l'a fait passer dans le tableau de bord, donc il faut démonter le tableau de bord, le pare-brise. Ici aussi, on a ouvert un petit peu le pare-brise, histoire de laisser accès à la roll bar, tout simplement. Et ouais, ah, franchement, là, je n'en entendais pas plus, tu vois. C'est vraiment, là, c'est vraiment le look qu'il lui fallait, quoi. Voilà, vraiment sympathique. Il me reste plus qu'à finir l'intérieur maintenant et... voilà, mais je voulais te tenir informé, partager tout ça et le rendu il est là, donc ouais, je suis content de mon acquisition. Voilà, une petite option qui lui va bien et c'est vraiment magnifique. Il n'y a plus qu'à essayer tout ça, à finir tout ça, et on vous fera une belle vidéo comme d'habitude les amis. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, hein, ça fait vivre la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit et plus il y a de passionnés, plus il y aura d'idées. C'est un peu le principe, le partage de la chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt la famille et prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.